littéralement une heure pour essayer d'habiller Valent. Grâce à Dieu, j'ai commandé une ring light. Parce que là, vous voyez la maquillée parce que j'ai tourné la vidéo. J'ai tourné la vidéo de l'épisode 2. Je teste la make-up routine de vos influenceuses. Et je crève de chaud. Mais du coup, alors déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crève de chaud littéralement avec mon voile. Donc, plus vite j'ai fini cette vidéo, plus vite je respire. Cette semaine, il n'y aura pas de vlog. Parce que je n'ai rien fait. Mais la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Peut-être même que samedi, il y aura quelque chose. J'ai remarqué. Cette semaine, parce que j'ai beaucoup de temps pour remarquer beaucoup de choses, que en tant que Okti hijabiste, je n'ai absolument aucun habit. Genre, j'ai pas de khibar, j'ai que 4 hijabs et c'est 4 jerseys. J'ai jamais investi dans des hijabs. C'est les premiers que j'ai achetés. J'en ai acheté deux, un noir et un blanc quand je me suis voilée. Et il y a quelques mois là, en avril, j'en ai acheté deux autres. Lui et un plus clair. C'est tout ce que j'ai. Alors qu'il fait chaud, il s'agirait de faire des hijabs, tu sais, les modèles là. Des hijabs style, tout ça. Et j'ai pas non plus d'abaya. J'ai pas de trimar, j'ai pas d'abaya, j'ai pas de kimono. Tout ce que j'ai. Jilbeb, j'ai 4 jilbeb et encore parce qu'on m'en a offert, sinon j'en aurais 2. Et j'ai 4 hijabs, c'est tout ce que j'ai, genre. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais investi dans des abayas, des kimonos ou même des ensembles. Et là, je sais pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai acheté 2-3 trucs là. 2-3 trucs, parce que ça va être très court. Rapide et efficace parce que je suis en train de mourir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé 4 trucs parce que je suis pauvre et malheureuse, donc j'ai pas d'argent pour acheter plus que ça pour l'instant. Donc j'ai commandé sur mon hijab.fr, mon hijab.com, comme on est pauvre et malheureux. J'ai commandé dessus. Alors du coup, il faut savoir qu'elle a énormément de couleurs. Sur mon hijab.fr, elle a énormément de couleurs. Sauf que, été, il n'y a plus rien. Tout le monde prend tout. Tout le monde a tout pris. Moi qui voulais prendre des couleurs flashy, des belles couleurs. Genre du vert, du rouge, du rose. Bah non. Mais au moins, j'irai quand même m'habiller. J'en ai déjà un comme ça, mais le rouge bordeaux. Je ne sais pas vous mettre. De vidéo pour l'instant pour le haul. Pourquoi? Parce que j'utilise un nouveau logiciel de montage et je ne sais pas comment importer des photos et des vidéos. Les photos, j'ai vu un peu, mais c'est bizarre. Donc à plus qu'à voir au niveau des vidéos, comment je vais faire pour importer mes vidéos pour mes hauls, ça c'est la question. Donc j'ai pris cet ensemble là de la couleur bleu marine. De toute façon, c'est une seule. Il est long de toute façon, il est hyper long. Je mettrai peut-être une photo là de quand je porte le rouge bordeaux. Si j'ai encore les rouges. Mais je pense pas. Je pense pas comme je supprime tout. Et du coup, ça, c'est une seule. C'est taille unique. Et c'est hyper large, je kiffe, vraiment c'est hyper large. Le pantalon, pareil, hyper mais hyper large. C'est vraiment mon délire. Donc ça je vais laisser là, parce que je vais les ranger après. La deuxième couleur. Prochaine commande que je fais, c'est des abayas et des hijabs. Prochaine commande.
D'ailleurs, j'ai acheté, je vous montrerai après, j'ai acheté des lunettes sur AliExpress. Et ensuite, j'ai cette couleur-là, couleur moutarde. Regardez comment ça va bien avec mon teint. Aujourd'hui, si je sortais, j'aurais bien mis ça. Ça me va bien. Oh là là, il est magnifique. Maintenant, j'ai plus assez de cintres. Comment je fais? Je les mets sur quoi? Il faut savoir que mon armoire, il est rempli. Parce que j'ai encore mes vêtements de... avant que je portais le hijab. Et comme avant, je portais que du oversize, je continue à porter les habits. Donc, j'ai mes habits d'avant. Les robes que j'ai achetées, je crois que j'en ai acheté 6, mais elles sont tellement imposantes qu'elles prennent littéralement toute la place. J'ai des t-shirts, plein de t-shirts, j'ai des pantalons, beaucoup de pantalons. Que je ne mets pas. Pourquoi je n'ai pas les pantalons? Parce que j'ai pas de haut encore, je n'ai pas encore acheté de haut long pour cacher mes fesses et large pour l'été. À mettre avec mes pantalons, mais je pense que je pourrais mettre ces hauts-là. Que j'ai acheté beaucoup de pantalons. Et là, il fallait aussi que je maigrisse. Et comme ça a été le cas, c'est le cas. Je pense que ça va aller. Je pense que même ça va bien se passer. Aussi cette couleur-là, je mettrai les photos-là. Malheureusement, je ne pourrais pas essayer, mais je vous montrerai un aperçu. Je vais essayer. Hop, et pour la dernière partie, parce que c'est déjà fini. Ah, donc là, il y en a 4. Et il n'y en a que 2 pour moi. J'ai pris et j'ai investi dans des kimonos. Ça, c'est le minimum. Tu sais, c'est le minimum. Même si je mets des pantalons, quoi. C'est comme un kimono. J'ai pris. Oh là là, c'est trop joli. Cette couleur-là. Avec les manches comme ça. Je vous mettrai une photo. C'est trop joli, ça a trop bien allé. Je sais, mashallah tabarakallah, ça a trop bien allé. À un moment donné, faut dire les termes. Ça va avec ça, vous... Ah, c'est avec ça. Ah oui, tu vois. Forcément. Du coup, le noir là, pas pour moi. Comme ça. Et j'ai pris cette couleur. Je m'attendais à avoir pris d'autres couleurs. J'ai pris un vert caca. Ah non, celle-là, c'est pas moi. Celle-là, c'est à ma pote. C'est à Kenza. Et j'ai pris celui-là. Il est trop beau. On est ravis. Un kaki. Oh là là, avec ce hijab. Ce maquillage, regardez. Non, c'est pas bon. Ça va faire trop beau. Trop joli. Et du coup, ouais. Hop, j'ai 4 nouveaux habits, mais ça va changer. Mais ma manière de m'habiller, prendre. Je vais les prendre avec moi au Maroc, mais je vais quand même commencer à les porter parce que c'est la base de mon habillement parce que je mets absolument toujours les mêmes habits. Voilà. Donc pour finir ce mini haul, je vais vous montrer les lunettes que j'ai achetées pour l'été. J'ai donc commandé 2 paires de lunettes, des simples. Franchement, mon make-up, là où on en est, là, je n'ai plus rien à faire. J'ai 7 paires de lunettes là, la plus simple, parce que ma petite sœur, il faut savoir que j'avais au moins 5 paires de lunettes ultra rouge, infrarouge là, pour les lumières bleues, non pas infrarouge, pour les lumières bleues, et ma petite sœur m'a tout pris, elle a tout pris, il ne me reste plus rien. J'ai des grosses, des moins grosses et tout, moi j'aime pas les grosses lunettes, donc là j'ai celle-là. Madame, attendez. Donc il y a celle-là. Je vais mettre une petite photo là. Odd. Ok. Il y a celle-là. J'espère que ça va prendre pas trop le make-up. D'ailleurs, je vais acheter, je crois, 2 paires de lunettes. J'en ai acheté 2. Des paires de lunettes pour les lumières bleues, vu que j'en ai plus maintenant. Et que j'aime tellement ça. Là,
Alhamdoulilah, elle a des bons yeux. Hein. Mais je kiffe les lunettes. Et la deuxième, je pensais pas que ça allait être ça. Il faut voir la chose. Elles sont jolies. En vrai, elles sont belles. Mais moi, c'est ça qui me gêne. De petites abeilles. Mais non, ouais. Est-ce que je ne ressemble pas à une femme d'affaires? Si, complètement. La meuf, elle commence à faire des je teste un routine make-up des gens. En été, c'est le pire moment. En plus, j'ai même pas de fixateur de bonne qualité pour pouvoir tenir le make-up. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Mes petits achats. Petits et ridicules, mais importants. Du coup, voilà. Très court et très bref. Mais ça a été un haul. Le deuxième sur ma chaîne. Le troisième. Et je pense qu'on s'améliore. Je pense qu'on s'améliore. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine. Oui. Oh.